Hymne Acatiste, page 361. Psaume 118, strophe 18. Que tu es Seigneur, droiture que tu es.
Psaume 19. Psaume 20. Se lance d'entre les fils d'hommes.
Cantique d'Isaïe, page 288. Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Il y a un lieu privilégié où nous commençons à vivre quelque chose de ce festin qui nous rassemblera dans la joie de Dieu. Lequel ? L'Eucharistie, bien sûr. Les chrétiens ont toujours compris le repas eucharistique comme le moment d'anticipation par excellence de la vie éternelle, le moment où nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. D'abord, la parole de Dieu. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Mais aussi, et plus encore, la parole faite chair, le corps de Jésus dans le sacrement. Qui mange ma chair et boit mon sang, possède la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement un futur, c'est un présent. Elle est déjà commencée. Voilà pourquoi il faut être prophète, pour savoir lire dans notre vie de tous les jours ce que les autres ne savent pas y voir. Oui, la vie éternelle est déjà commencée. Et pourtant, elle n'est pas encore là, dans toute la force de son évidence. Comment ne pas vivre alors dans son attente ? Je ne dis pas dans sa nostalgie, elle n'est pas derrière nous, elle est devant. Il faut donc en tirer la conséquence. Le temps de l'Avent ne s'arrête pas pour nous à Noël. Il est le symbole agissant de toute notre vie chrétienne. Tendu de tout mon être, je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus.
que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Pour obtenir un enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. Lecture du premier livre de Samuel. Lorsque Samuel eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur, et Anne fit cette prière. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Étonnante cette femme, Anne, qui demande avec tant d'insistance un enfant au Seigneur et qui, peu de temps après sa naissance, s'en sépare. Étonnante la Vierge Marie, qui n'est pas encore mariée et pourtant accepte d'accueillir en son sein l'enfant fils de Dieu que l'ange lui annonce. Dans les deux cas, quel exemple de disponibilité au Seigneur. Mais cette disponibilité n'est pas indifférence. Le christianisme n'est pas une religion de l'absence de désir. Au contraire, la Vierge Marie avait le profond désir d'être la servante du Seigneur. Quant à Anne, elle avait exprimé avec beaucoup d'insistance son désir d'avoir un enfant. On pourrait croire qu'une fois exaucée, elle garde jalousement cet enfant, souhaite passer un maximum de temps avec lui, en profite, maintenant qu'elle a eu ce qu'elle désirait avec ardeur. Au lieu de cela, elle le donne à son tour au Seigneur. Signe de consécration, bien sûr, mais aussi signe de reconnaissance envers le Seigneur qui a donné cet enfant en réponse à sa demande. Car si c'était dans un premier temps pour elle-même qu'elle demandait cet enfant, elle s'aperçoit désormais que s'il est né, c'est aussi pour la gloire du Seigneur qui a manifesté sa bonté en lui donnant d'enfanter. C'est pourquoi le don qu'elle fait de son fils à Dieu est aussi un signe de confiance. Le Seigneur répond aux prières. Le Seigneur donne tout ce dont nous avons besoin pour être heureux en profondeur. Elle le sait désormais. Elle en a une connaissance intime, car elle l'a expérimenté dans sa chair et dans sa vie. Aussi n'a-t-elle pas peur de donner cet enfant, aussi n'aura-t-elle plus jamais peur de donner, de risquer tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a pour vivre, car elle sait, elle croit de toute sa foi, que le Seigneur donne toujours à nouveau. Nous aussi, en ce temps de l'Avent, nous avons à apprendre ce chemin. Apprendre à désirer tout d'abord, à désirer ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vraie joie, l'amour authentique, la fécondité de notre vie. À désirer sans avoir peur d'être déçu, et même à désirer par-delà nos déceptions, quand la réalisation de notre désir se fait attendre ou semble compromise par les événements ou par le jeu des libertés humaines. Apprendre à donner sans crainte ensuite,
même ce que nous avons désiré ardemment, pas à donner par légèreté ou indifférence au don reçu, mais à donner en confiance, quand il peut en résulter pour nous et pour la personne aimée, davantage de vérité et de vie. Qu'en ce temps de l'Avent, temps de l'attente, temps du désir, le Christ, roi des nations, désiré des peuples et des rois, nous conduise sur ce chemin de liberté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Toi qui viens guérir les cœurs contrits, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la joie et la paix. Qui nous enseigne par les prophètes, Seigneur, nous te prions. Ouvre le cœur des chrétiens à l'intelligence des Écritures, afin de te reconnaître comme le Messie. Seigneur, nous te prions. Toi qui viens réconcilier le monde avec Dieu, Seigneur, nous te prions. Fais de ton Église un signe de ton salut. Seigneur, nous te prions. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Thank you.
avec nos frères aînés dans la foi, peuple de la première alliance, attendant le Messie, Dieu notre Père, nous te magnifions. Avenu sheba shamayim, ikadesh shimcha, tavor malchutecha, yaseh ratzoncha, kevashamayim ken baaretz. Et lehu kenu ten lanu hayom, usalam. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons.